Amis, là aujourd'hui nous sommes le 31 mai 2019. Alors, quelques jeunes m'ont demandé, il y aura notre mon petit, je vais vous montrer, il y aura notre Tohuene, Totana, Topurini Tiatato. Il y a quelques jeunes qui m'ont demandé, et nous sommes débutants. Alors, et comment il faut planter une liane de vanille? Ben, je vais vous montrer, c'est très simple. Hein? Regardez, il y a une liane là. Moi, j'ai choisi les lianes, pour la liane, comme mon papa il dit, pour la. Et on a fait, on a laissé exprès là, ça. C'est pour justement pour replanter. Hein? Pour replanter. Alors, je vais couper là. Je vais couper déjà. Voilà. Je coupe là. Hein? Après, je commence à. Faut bien faire attention avec ton ciseau. Voilà. Ciseau tenté. Je commence à couper. Voilà. Et voilà. Hop. Et voilà. Voilà. Et après, on y va. Arrête à tout. Voilà. Regardez. Et ça tombe bien comme. Là actuellement nous sommes en train de planter une serre de l'autre côté. Et ben on va aller à l'autre côté. Là je vais vous montrer comment il faut faire d'abord. Là vous avez à peu près 2 mètres. Hein? Vous avez à peu près 2 mètres. 2 mètres de liane. Alors, qu'est-ce que vous faites? Il faut couper d'abord. Après, il faut bien regarder. Regardez bien, regardez la feuille. Hein? Et quand ça va fleurir, par là. Il y a des nœuds là. Hein? Alors, nous sommes au mois de mai, la floraison arrive. Alors, il faut qu'on fait vite. Pour planter la serre qui est là. Si la floraison arrive, alors quand tu vas planter, ok? Alors qu'est-ce qu'il faut faire après? Quand tu as coupé, je m'assois là, là, c'est le pareil à ça de ma femme quand elle vient. Elle est partie à Tahiti, voilà, où il y a des broussées, voilà. Non, chérie, attends, bon, ok. Allez, alors là, ta poutre, à taille, à pité, à taureau. Moi, je ne mets pas 3, je mets 4. Pourquoi? Parce que les racines, ils vont pas là. Là, on a tiré, ça, ça ne sert à rien. Ça, ta poutre, en fait, vous pouvez laisser. Ça va repartir encore les racines à partir de là. Hein? Ok? Non, mes racines, non. Et s'il y a 4 nœuds que vous avez mis en terre, enfin dans les composts, eh bien, ça va renforcer. Hein? Donc, tout pour ta auto-vanille. Et après, voilà, c'est ça. Et ça, vous pouvez planter. Alors, le fanhora, il y a le fanhora de l'épic. Et il faut suivre ça, le fanhora de l'épic. Quand ils coupent là aujourd'hui, et ils attendent demain. Pour planter. Et comme moi, je ne suis pas patient pour attendre, j'aime bien quand je travaille. Là, non, t'as nous. Alors, les pics, ah, t'as autant de fanhora. Alors, il faut que vous suivez les pics. C'est ça le fanhora. Mais à l'époque de mon papa, il ne coupe pas ça. Et t'as moi, il a tout. Et pour le temps, il a tout. Il ne faut pas couper. Et quand tu vois les vanilles, mets tout pour mettre. Alors, on va aller. L'autre côté, la serre qui est là, l'autre côté. Voilà. Alors, on continue là. Alors, nous sommes arrivés. Là, la serre, justement, on est en train de planter cette serre là. Alors, là, regardez bien ça. Regardez bien les jeunes. Et ta main mouettée. Là, il y a 1, 2, 3 et 4. Ça, je mets là.
comme ça. Je fais comme ça et après, c'est tout ça. Paille, tout. Ma compostine en échaud, voilà. Hein? Mais fais attention, fais attention. Fais attention. Quand vous mettez la liane, regardez, la liane. Hein? Les racines sont là, les racines sont là. Tu as pris Auto-Mitra. Faut jamais tourner comme ça. Ok? Si vous tournez comme ça, il y a tout pour être en main. Quand ça va pousser, il va venir dehors. Ok? Il va venir dehors. Il tourne en forme. Quand vous allez faire comme ça, hein? Faudrait, il va s'accrocher là. Et tout. Alors, comme ça, tous les liens, quand ça va pousser, sont venus là, dehors. Alors, imagine, tu as mis comme ça. Hein? Imagine, tu as mis. Réparer, pour revenir au papa derrière. Hein? Comme on mettait là, il faut faire comme ça. Hein? Pour mettre contre le tuteur. Et après, hop. Alors, regarde. Je mets toujours la ficelle. Je mets en dessous la feuille. Tu vois, comme ça. Et on a, si vous mettez là. Et après, il y a un en bas. Il y a un en bas. Voilà, un en bas. Comme ça. Et comme ça. Voilà, au titre, au titre. C'est fini, c'est le bas. Et les quatre sont là-bas. Attends. Je vais vous montrer encore une chose. Voilà. Une chose, regarde. Regarde un peu cette liane là. Hein? Regarde cette liane. Regarde. S'il n'y a pas ça, vous coupez des lianes. Il n'y a pas ça. Comment vous pouvez savoir le haut et le bas? Hein? Comment vous pouvez savoir? Nao et auto-churi des fois. Non, comment vous pouvez maintenant voir que voilà, le haut et le bas, s'il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. C'est coupé. Hein? Pour regarder là. Regardez la légende. Là. La feuille. Et la feuille. Parce que quand il n'y a pas ça, et il y a la liane qui arrive, qui a coupé 1000 lianes, tu ne peux plus savoir si tu n'as jamais planté la vanille. Alors, il y a juste à regarder là. Jeune. Regardez là. Non, ça c'est le haut. Ça, vous regardez comme ça. Quand tu retournes, comme ça, regarde. Regarde. Ça, c'est le haut. Et ça, c'est le bas. Regarde. Vous regardez là. Ok? Ok? C'est clair et net. Hein? Arrêtez-nous de venir là, parce que la vanille, comme je dis souvent, même si la Polynésie plante la vanille, toute la Polynésie, ben, ça ne va jamais assez. Voilà, ok, bye bye.